finally be riding on my way. Finally woke up with some luck in the book. I don't give a up with someone, someone say. Finally got my friends in the back of my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in there. Stay in the moon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la deuxième partie du dressing et ça sera le montage des dressings, rangement, organisation. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Pour commencer, Anthony montre le premier dressing qui vient de chez Bricot Dépôt. Le lien est en barre de description si ça vous intéresse. Comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, nous voulions faire un dressing sur mesure, mais au final les planches ont vachement augmenté. Donc on s'est dit qu'on allait changer de plan et prendre ceux de chez Bricot Dépôt. Ça nous revenait largement moins cher. Pour tout vous dire, nous en avons eu pour 230 euros pour les deux dressings, alors que pour un c'était déjà 280 euros sur mesure. Donc on s'est dit on n'allait pas faire des frais inutiles, autant les prendre chez Bricot Dépôt. Nous avons fait la pièce du dressing en plusieurs jours, je vous ai tout filmé. Nous n'avons pas pu faire ça sur une journée, c'était beaucoup trop long, surtout le montage des meubles, des commodes. La pièce avait besoin d'un grand rafraîchissement, donc c'est pour ça que je vous ai tout filmé dans la précédente vidéo, la partie 1 du dressing. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i en barre de description. Et ensuite, ici, la deuxième vidéo, c'est l'aménagement et mettre au goût la pièce du dressing. Lorsque c'est terminé, je passe un bon coup de nettoyage dans le dressing parce qu'en fait on a percé dedans pour qu'il soit fixé au mur, les barres pour qu'elles soient bien fixées pour pas que ça bouge lorsqu'on prend un cintre, parce qu'en fait à l'appartement nous avions pas fixé le dressing au mur ni les barres et du coup à chaque fois qu'on prenait un vêtement tout tombait ou ça bougeait, du coup là on s'est dit qu'on allait vraiment bien le renforcer et percer au mur vu que maintenant c'est chez nous. Why don't we, can I just get away?
Je viens de terminer de nettoyer le dressing. Bon, il a été vraiment très rapide à faire. Il fallait vraiment enlever les poussières, enlever les petites traces noires. Au moins, il est bien propre pour accueillir les vêtements. Dans la barre de description, je vais vous mettre toutes les références du dressing. Nous avons également rajouté une petite planche avec une tringle ici pour tout ce qui est robe. Et ici, nous avons mis que deux cases. Et là, on a laissé pour faire une petite tringle. Mais nous avons plus de petits crochets. Du coup, mon beau-père a tout coupé pour la bonne longueur. Et Anthony n'a plus qu'à mettre les petits crochets, donc comme ça, ici, juste ça, parce qu'on n'en a plus. Et ensuite, on pourra ranger les vêtements de ce côté-là. Je ne sais pas encore comment disposer les vêtements. De ce côté-là, il y aura aussi un deuxième dressing que nous allons monter aujourd'hui. Je vais maintenant voir comment disposer les vêtements. Et ensuite, c'est parti pour le rangement du premier dressing. Vous le savez que j'aime mettre tout par couleur, je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant et beaucoup plus pratique et facile lorsque l'on cherche un vêtement. Ensuite, dans la deuxième tringle, à la base c'était des étagères, mais on a tout enlevé pour mettre une tringle, et là c'est les t-shirts. Vous allez dire, mais il n'y a que mes vêtements, mais Anthony lui a les commodes et quelques rangements dans les bacs. Dans la plus grande tringle, je mets tout ce qui est chemisier, chemise. Je trouve ça beaucoup plus beau et beaucoup plus pratique, surtout avec les cintres blancs. À chaque fois que je vais chez Action, j'en prends, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas souvent. Et de plus, ils sont assez chers. Dans le dressing, j'ai laissé quand même quelques petits rangements pliés pour tout ce qui est t-shirt, pantalon, leggings, jeans, des vêtements d'Anthony, les vêtements de sport. Je vais mettre tous mes t-shirts et tous les petits t-shirts ici dans les deux bacs. Dans le petit coin, ici, juste en bas, c'est tout ce qui est body, les pulls body, les t-shirts body, les body au moins. Dans le dressing, j'ai fait en sorte que chaque espace a sa catégorie.
me at a low. Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride out the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. Someday. Le deuxième dressing est terminé. Il manque plus qu'à mettre les trois tringles. Je pense faire un petit coin pyjama à pendre directement sur cintre. Je ne sais pas encore comment je vais l'organiser, ce dressing-ci. Ici sur le portique, j'ai mis tout ce qui est pull, blazer, manteau. Ensuite, ça ira dans le dressing juste ici. J'ai repris un tapis qui était chez mes parents, enfin dans mon box. Je l'ai acheté pour l'appartement et en fait c'est vrai que je ne l'ai jamais mis. Du coup, vu qu'il est gris foncé à la base, je voulais gris clair à l'appartement. Du coup, j'ai pris l'autre qui est actuellement dans le salon. Et celui-ci, je l'ai acheté mais au final il ne me plaisait pas vu que c'était gris foncé. Et là je me suis dit pourquoi pas le réutiliser pour le dressing. Du coup ici il y aura le tapis, les deux commodes si ça passe. Et du coup voilà, je vous montre tout dans la suite de la vidéo. Je vous montre la vraie vie, les cartons partout, les produits partout, les aspirateurs qui traînent, les outils, l'échelle. Franchement c'est le bazar. Mais vous le savez, lorsqu'on fait des travaux, qu'on aménage une pièce, il y a toujours un petit côté bazar. Ici aussi, je ne vous ai pas montré, mais c'est le mur que j'ai peint. J'ai également peint la porte. Ici, on doit juste changer la poignée, donc ici devant et à l'intérieur. Comme ça, ça sera mieux. Ici, il y aura ma coiffeuse. Anthony va tout me monter. Ensuite, on aménage ensemble. C'est parti. Il y a deux commodes, donc c'est des grandes comme ça chez BM. Et ici, la coiffeuse. C'est parti pour le montage des meubles. Anthony m'a monté la coiffeuse, du coup elle vient de chez BM. Je vous montre comment elle se compose. Ici vous avez un tiroir miroir vraiment très pratique. Et les rangements, vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez. Par exemple, si vous voulez que ça soit comme ça,
et plus. Comme ça, vous pouvez, c'est vraiment très pratique. Ensuite, on referme comme ça. Le meuble est en blanc laqué. Et ici, vous avez un tiroir. Bon, à l'intérieur, c'est rose, mais c'est pas si dérangeant que ça. C'est vraiment très pratique d'avoir deux rangements. Ici, j'ai mis ma petite commode. C'est une commode que j'ai prise chez IKEA, spéciale pour les bureaux. Et je me suis dit, pourquoi pas la mettre à côté de ma coiffeuse. Ça me dérange un peu le fait qu'elle soit pas laquée, mais je pense la changer plus tard. Mais pour l'instant, ça fait l'affaire. Ici, il y aura un grand miroir rond. Ensuite, on l'installera avec Anthony. Is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Les commodes sont mises, donc on les a collées l'une à l'autre. Anthony a ramené des petites fixations pour mettre juste ici. Comme ça, ça sera collé et on pourra mettre un beau plan de travail laqué. Comme ça, ça fera plus beau. Parce que si je mets une déco comme ça, eh ben, il y a une sacrée démarcation et ça fait pas très beau. Du coup, ici, on va mettre la fixation ici. Ça fera mieux et ça fera plus propre. Something different about the way we are. There's something different. Je peux commencer à ranger dans les tiroirs toutes les affaires. Du coup, ici on a deux commodes, ça sera largement mieux pour tout ce qui est sous-vêtements, t-shirts d'Anthony, vêtements de sport. Au moins, tout est là. Pour la coiffeuse, j'ai voulu faire très simple. Je voulais juste mettre des petites décorations histoire que ça soit quand même beau et chaleureux. Et plus tard, nous allons rajouter le miroir et les stores dans la pièce, comme ça, ça sera mieux. Mais ici, la livraison Amazon est très longue. Du coup, j'ai dû terminer la vidéo. Tant pis, je les rajouterai plus tard. I'm so sorry.
Je vous montre maintenant le résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, moi j'adore, je me sens vraiment bien dans cette pièce. Je suis vraiment contente du résultat, franchement c'est magnifique, j'adore le rendu. C'est un dressing que j'ai toujours rêvé d'avoir et je l'ai enfin eu. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire et aussi pourquoi pas me laisser les petits émoticônes qui s'affichent juste ici à l'écran. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Wait a second, I don't need you. Then why so settled? I miss withdrew. Still it feels